Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nathalie, je suis en déplacement en ce moment-là, donc on va faire le tirage comme ça. Donc, mais quand même, je continue à faire les consultations et j'espère que bientôt on va recommencer à faire notre live et aussi très bientôt dans les prochaines vidéos, je vais vous donner. Je vais vous commencer à donner les techniques, comment vous pouvez changer votre vie vous-même, comment vous pouvez faire quelqu'un à vous appeler sans magie, juste avec votre cerveau, juste avec changement de votre avenir, avec les bases scientifiques. Donc, et aussi je vais vous donner les techniques pour l'argent pour le travail et comment réaliser vos rêves. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour ceux qui sont célibataires. On va regarder qu'est-ce qui vous attend pendant un mois et qu'est-ce que vous pouvez changer. Parce que si vous êtes célibataire, donc pour quelque raison, c'est vous qui avez créé ce réalité d'être seul. Donc il y a toujours quelques programmes qui vous bloquent d'être avec un homme bien pour vous ou une femme bien pour vous. Si vous voulez travailler sur ce programme, je vous invite à mes consultations psychologiques où on peut vraiment trouver votre problème et changer et réécrire ce scénario de votre vie pour ce que vous pouvez attirer ce que vous voulez vraiment. Trouver pourquoi, par exemple, les hommes peuvent être agressifs, ou pourquoi vous êtes toujours seul, ou pourquoi quelque chose se passe encore et encore une fois dans votre vie. Il y a toujours la raison. Et vous pouvez juste changer cette chaîne de neurones dans votre cerveau et commencer à vivre totalement d'autres vies. Donc, on va commencer première carte, deuxième, troisième et quatrième. Choisissez et on va regarder. Donc, première carte, qu'est-ce qui vous attend pendant un mois? Ici, quand même, il y a beaucoup de nouvelles rencontres pour vous, mais plutôt ici, les rencontres pour les petits romans, pour sexe, parce que quand même, vous donner dans la réalité le programme, la sensation que oui, vous êtes très belle, très sensuelle, mais par contre, quand même, il faut réfléchir pourquoi vous pouvez transmettre cette sensation sans donner la sensation qu'il faut vraiment faire quelque chose pour vous, pour d'être avec vous pour la vie. Oui, si vous voulez juste s'amuser, oh, tout est bon ici pour vous. Par contre, si vous cherchez le partenaire pour la vie, pour quelque chose de stable, ici quand même il y a le problème parce que pour l'instant il n'y a pas. Il n'y a pas parce que ici vous n'êtes pas prête pour quelque chose de stable ici. Il y a les peurs. Quelle peur? Peur, c'est qu'un homme il y a peur d'accepter quelque chose parce que ici, il y a quelques interdictions dans vous-même d'accepter. Peut-être votre mère vous a dit qu'il ne faut pas accepter quelque chose ou il n'a pas donné quelque chose à vous. Par exemple, il ne voulait pas acheter quelque chose. Et pour vous, il y a quelques blocages d'acceptation. Vous ne pouvez pas accepter de soins d'un homme, accepter ce que les hommes peuvent être avec vous. C'est pour ça que vous choisissez ici le modèle de Papès. Papès avec le diable. Vous pouvez attirer, vous pouvez être très séduisante, mais vous ne savez pas de construire des relations, quand même pour l'instant. Parce que ici, il y a un homme à côté de vous. Vous aurez très bientôt très fort. Mais un homme qui vous ne donnerait pas beaucoup de sentiments, un homme qui peut être passer la nuit avec vous, mais pas donner des sensations.
Quel programme il faut ici aussi travailler sauf acceptation? Ici, donc je vais prendre une carte. Ça doit être, vous ne croyez pas ce que vous êtes bon. Vous ne croyez pas ce que vous pouvez vraiment d'être heureuse même sans un homme. Parce que pour vous, c'est très important d'avoir quelqu'un à côté. Comme ça, vous prouvez à vous-même ce que quelqu'un a besoin. C'est que de vous, c'est que vous êtes important. Et si vous devez aussi travailler sur le programme, c'est que vous êtes important. C'est que vous méritez de quelque chose, même ça, un homme. Et comme ça, vous pouvez attirer les relations stables et durables. Mais pour l'instant, pas ce mois-là, mais il faut quand même travailler sur ce programme. Deuxième carte. Vous savez, ici, très bonne carte. Il y a de très bonnes cartes parce que ici, il y a un nom vraiment pour construire quelque chose de stable pour vous. Si vous attendez quelqu'un, cet homme va arriver, peut-être d'un autre pays, ou ça peut être aussi votre ex qui va recommencer les relations avec vous. Dans tous les cas, ici, un homme qui vraiment qui cherche une femme pour créer la famille, pour créer un couple durable. Et elle sera à côté. Ici, vous avez beaucoup de possibilités vraiment construire les relations avec vous. Ici, parfait. Qu'est-ce que vous devez quand même faire? Ne pas regarder dans votre passé. Ne pas parler de votre passé. Ne pas raconter quelques histoires. Et vraiment, il faut commencer tout du début. Et ne pas parler de vos ex. Rien du tout. Juste vous permettre d'aimer, juste vous permettre à donner l'amour, transmettre cet amour. Et aussi, cet homme peut vous aider, vous pouvez demander d'aide. Ici, quand même, parfait. Donc, on va regarder dans quelle période, quand même, même si on regarde pendant un mois. Bon, ici, jusqu'à fin juillet. Vers fin juillet, 20 juillet, fin juillet, environ comme ça. Si vous partez en voyage, vous pouvez aussi rencontrer cet homme là-bas. Soit c'est quelqu'un qui arrive, soit vous pouvez partir quelque part. Ici, parfait. Troisième carte. Oh, ici, un homme très insistant qui sera dans votre entourage très bientôt. Hein. Vous savez, même ici, il y a deux hommes pour vous. Un peut être votre ex et un nouveau. Pour quelqu'un, ce sera deux nouveaux. Quand même, vous savez, ici, il y a une possibilité de construire les relations avec quand même un des deux et relations stables. Parce que plutôt le premier, il aura le but de vous voir, mais plutôt juste pour le petit roman pour sexe. Et deuxième, quand même, elle va chercher vraiment une femme stable, une femme pour créer quelque chose ici, pour les relations stables. Mais quand même, ici, quand même, ça montre que vous pouvez garder deux hommes pour l'instant à côté pour quand même regarder qui vous voulez. Ici, c'est aussi, c'est très bien. Vraiment, la vie vous donne la possibilité de finalement construire votre vie, stabiliser et très bon homme et très saine dans la tête. Quel conseil pour vous? Un conseil pour vous, ne pas vous fermer et vous pouvez, par exemple, si vous avez peur de, je sais pas, danser, par exemple, il faut aller danser, il faut commencer à voyager, il faut d'être plus ouverte, sortir de votre zone de confort. Essayez de jouer dans votre vie. Vous voulez faire quelque chose, il faut commencer à le faire. Et comme ça, cet homme sera à côté de vous. Il ne faut pas ici jouer le rôle ni le victime ni aussi c'est que ah mais je sais pas quoi faire, je sais pas où je peux trouver, je suis toujours à la maison. Il faut sortir de votre maison, il faut élargir votre connaissance, essayez de même vous voyez un homme qui vous plaît,
Vous pouvez commencer la conversation vous-même parce que ici, vous devez faire quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et vraiment une très, très bonne possibilité pour vous de commencer les relations stables. Donc, quatrième carte. Ici, il y a des nouvelles rencontres pour vous. Par contre, ici, ils sont tous pâches. Le soleil, c'est un enfant. Ici, il y a quand même les hommes qui sont narcissiques. Vous pouvez avoir même plusieurs hommes ici. Ça peut être quelques messages, ça peut être le site de rencontre. Et comme ça peut montrer plusieurs hommes à côté de vous. Mais les hommes qui sont pas encore adultes, pas même s'il avait, par exemple, 50 ans, à l'intérieur, ce sont des enfants. Ce sont des hommes qui sont pas prêts à prendre les responsabilités pour vous et pour vous proposer quelque chose. Plutôt, c'est le site de rencontre et quelques relations à distance. Qu'est-ce que vous devez faire quand même pour changer ici? Ici, il faut arrêter aussi de regarder dans votre passé, parce qu'il y a quelques traumatismes dans votre passé, et chaque fois, vous essayez de retourner avec vos pensées dans cette situation. Il faut ouvrir les yeux et comprendre que le passé, c'est le passé. Et il faut commencer quelque chose de nouveau, parce que ici, comme conseil, ce sont les as, le début de l'amour et le début de relations sexuelles. Il faut recommencer, donner une nouvelle possibilité. À vraiment sentir cet amour au nouveau, aimer au maximum, faire le sexe au maximum. Parce que ici, c'est quand vous vous limitez. Et c'est pour ça que vous avez les relations légères et les hommes qui sont comme ça. Parce que vous n'êtes pas prête à quelqu'un de plus stable, oui, parce que chaque fois, vous pensez par rapport à vos erreurs. C'est que quelque chose était pas comme ça. Vous devez vraiment tout laisser et partir pour quelque chose de nouveau. Et comme ça, la vie va vous donner les relations pour créer déjà la famille ou pour créer un couple stable. Si vous voulez travailler sur votre problème, sur votre question, par rapport à la relation, quand on peut trouver le problème et créer le chemin dans votre tête, créer une nouvelle chaîne de neurones dans votre tête pour ce que vous commencerez à attirer d'autres types de hommes, je vous invite à mes consultations psychologiques. Je suis psychologue diplômée et pendant les séances, on ne fait blabla comme beaucoup de psychologues font. On vraiment change votre cerveau, change votre tête avec les méthodes scientifiques qui étaient déjà prouvées. Comment changer votre réalité très vite? Parce que on n'a pas beaucoup de temps de parler. On doit vivre notre vie dans le bonheur, dans l'amour et juste profiter du temps qu'on a sur la Terre. Je vous souhaite une très très bonne journée. Bientôt, je vais mettre d'autres vidéos sur la chaîne.